Comme vous le savez, nous avons déjà pris un certain élan dans la traque contre tous les groupes armés. Et au regard de cette mission de traque contre tous les groupes armés, nous sommes en train de mettre une pression très importante sur tous les groupes armés sans préférence aucune, en dehors des actions bien sûr des grandes envergures que nous sommes en train de mener. C'est plutôt cette pression, n'est-ce pas, qui a permis à ce qu'aujourd'hui le général autoproclamé Birikoriko et son adjoint, le général Machano, puissent se remettre entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo avec au moins 299 personnes, sans oublier bien sûr 150 ou 180 qui sont encore en route, qui vont nous rejoindre certainement ici à Goma. Mais aussi, vous voyez les armes, nous avons au moins une cinquantaine d'armes, dont 35 de type AK-47, des RPG-7, une mi-section ou deux, un mortier 60, une lance-flamme et plusieurs autres effets militaires. Une particularité peut-être pour ces groupes armés, pourquoi est-ce que nous avons fait une très grande pression sur ces groupes armés, c'est parce que c'est l'un des rares groupes armés qui détenait des armes qui pouvaient abattre même un hélicoptère. Donc c'est comme ça que c'est dans ce cadre que s'inscrit l'activité de ces jours. Major, la question que vous dites, on ne peut plus tout intégrer dans l'armée aujourd'hui. Qu'est-ce que l'armée dit aujourd'hui avec les évacuations de tout le monde? Est-ce qu'on voit les enfants, les femmes? Est-ce que tous sont aptes de rentrer dans l'armée? Bon, d'abord, avant d'arriver à votre question, vous devez comprendre que nous, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, ici je vais parler du secteur opérationnel Nord Kivu sous Kona 2, nous sommes d'abord en train de matérialiser les jeux du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui, n'est-ce pas, a toujours voulu à ce que toute la partie est de la République démocratique du Congo soit pacifiée. N'est-ce pas? Et nous, à notre niveau, en tant que secteur opérationnel Nord Kivu sous Kona 2, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, cesser ou, n'est-ce pas, freiner notre élan dans le cadre de l'éradication de tous les groupes armés. Ça, c'est la première des choses que vous devez connaître. Parlant justement de la réintégration, comme l'a soulevé les amis de la société civile, écoutez, vous savez que dans ce pays, il y a le processus DDRRR. Et tout ces éléments des groupes armés qui viennent de se rendre vont suivre ces processus. Et comme vous le savez, au niveau du processus DDRRR, il y a un choix. Donc ils auront opéré un choix. Ceux qui voudront bien faire l'armée, ben, ils les feront. Mais écoutez, pour faire l'armée, il y a des préalables. Il y a des préalables. Ce n'est pas que tout celui qui voudra faire l'armée et tout de suite il va intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a des préalables et seulement ceux qui auront rempli, n'est-ce pas, le critérium, ce sont ceux-là qui feront l'armée. Mais aussi, il y a ceux qui vont certainement opter pour la vie civile. Et ceux qui vont opter pour la vie civile, ben écoutez, il y a aussi des préalables. Le processus DDRR prévoit assez qu'ils soient préparés pour qu'ils ne soient plus, n'est-ce pas, un élément nuisible
pour la communauté dans laquelle il va intégrer. C'est comme ça, tout est prévu par la République. D'ailleurs, il faut que je vous le dise, que la République a déjà mis de moyens pour que ce processus DDR puisse réussir. Vous êtes sans oublier qu'il n'y a pas de cela très longtemps, il n'y a pas de cela une semaine. Le gouverneur de province, son Excellence Karline Zanzoukassivita, représenté par son ministre, a été voir ceux qui sont internés à Mubambiro. Et il leur a remis des effets importants, mais aussi des moyens pour que le processus DDR puisse atteindre, n'est-ce pas, les objectifs qui lui sont assignés. Bon, major, le général... Nous, lorsqu'on les met hors d'état de nuire, vous savez, 20 ans dans la brousse, il faut voir ce qui s'est passé dans la brousse, combien de fois notre population a été mise mal à l'aise. Mais aujourd'hui, pour le Force Armée de la République démocratique du Congo, c'est un exploit. C'est aussi un exploit comme parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, pour nous, c'est un exploit. Le général autoproclamé Billy Corico et tous ces éléments sont sortis de la brousse. Et voilà, c'est un fils du pays qui est revenu à la raison, qui a compris que détenir les armes, c'était plus important pour la République que détenir les armes. Faisait mal et à sa propre communauté et à toute notre population, qu'il fallait finalement revenir à la raison et comprendre l'appel du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Ben voilà, donc c'est une bonne chose et il est le bienvenu. Il aura aussi à opérer ses doubles choses, soit il continue avec les forces armées de la République démocratique du Congo, ou soit il rentre à la vie civile. Quel est le message que vous lancez aux autres groupes armés qui résistent encore? Le message du général de brigade Willy Yamba, commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sukolade, c'est de voir tout le monde, alors tous ceux qui restent dans la forêt, d'emboîter le pas du général autoproclamé Billy Corico. Pourquoi nous disons cela? Parce que déjà à notre niveau, nous en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, rien ne va freiner notre élan dans la traque contre tous les groupes armés sans distinction aucune. Parce que nous, en tant qu'éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, nous devons, quel que soit le prix à payer, n'est-ce pas, répondre aux je veux du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussensi, qui veut que toute la partie est de la République démocratique du Congo soit pacifiée. Et quel que soit le prix à payer, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokolade est déterminé à travers les opérations de grande envergure que nous continuons à mener et que nous allons mener à l'avenir, mais aussi à travers une pression très très forte que nous allons mettre sur tous les groupes armés, je dis bien sur tous les groupes armés, sans distinction aucune. Je viens de vous parler du DDRRR et je vous dis qu'il n'y a pas de cela très longtemps que l'autorité numéro 1 de la province, je veux parler ici de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Karline Zanzoukassivita, qui a été représenté par un de ses ministres, n'est-ce pas? Il a été à Mubambiro, il a remis déjà à ceux qui sont là beaucoup de vivres, beaucoup des faits pour leur permettre, n'est-ce pas, de bien atteindre l'objectif, de permettre plutôt au DDR d'atteindre l'objectif qui lui est assigné. Donc la République a déjà mis des moyens pour que le processus DDRRR puisse réussir. Voilà. Bango, na Masisi, na Mboka, Ufamando, Remeka, Bisika, Bango, Basimbaki, Manduki. Bazaki bongo badongolo miso kasilelo ndenge bozali komona na pembeni ya général autoproclamé Birikoli kona mokitani na ye général autoproclamé Machano bango bandimi mbela oyo mokonzi ya mboka asilaki kotindela bango oyo chef d'état major général des forces armées de la République démocratique du Congo asilaki kotindela bango alobaki na bango ete esengeli bango baso baebanso basimba manduki Bati ya manduki na se. Bongo, elongo, to sungambo kanabiso po eke ndeli boso. General Bikoriko, na bato ebele, ozai komona owa ye na bango, uti na bango zamba, na manduki ebele, ozai komona owa, babite, mokonzi ya mboka, asili kolo bato bima na zamba.
bototi kala pona ni yango moni baye batiki manduki balobi te biso sikawa to mi pesi na maboko ya mbula matari tikete mbula matari asala o ye alingi na biso yango moni to ye to sangani lelo to tiko ya mabango kuna musika na zamba yango to to ye na bango bisiko to lakisa mokili mobimba ete effort de cette ozali ko sa musala mbela pe ya mokonzi ya mboka son excellent Félix Antoine Tshisekedi ezali koyokama na bato banso pe bazali kolandela yango bo elobi ye mpo na baye banso oyo bazali nanu kotia moto makasi oyo bazali nanu mutu ezali naino na mabanga na kati balingi koyoka te mbela ya mokonzi ya mboka kino lelo balingi koyoka te ke chef d'état major général des forces armées de la République démocratique du Congo aboyi 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 makambo ya kosimba mandoki baye banso oyo batikali na zamba ntango yangoyo babima baya kopesa mandoki bayeba kotia mutu makasi bayeba kotikala na zamba bayeba ete na ngonga oyo chef d'état major général asila kopesa biso bibundeli ya ndenge nyonso asila kopesa biso oyo tolobaka morale tokobete bango bisika biso bizali oyo akomipesa na maboko ya ekolo ye akolanda processus DDRR akozala na kimia na ye kasi yo soki olingi biso tokende koluka yo na zamba tokobeta yo kino mutu na yo ya suka ntango yango oyo mokonzi ya mboka asili koloba bato banso babima tozali kozela bango pamba te moto akotikala kuna biso secteur opérationnel nord Kivu sokola de tokolembe te tokozonga mpe nsima ta soki moke te tokobete Est-ce que lelo gouvernement Congo est dans la politique à Bakadre parce que nous on va dire qu'on se rendre lelo et comme il est belé. Mais bato bazali komi pesa na mambo kwa mbula matari na uto yebisa bino processus DDRR ezali. Mboka esili kotia oyo ezali ya mutu ya pote baza bakamba mamalam. Na banze uti koleka mikolo soki misatu soki mine. Mokambi ya province na biso ya Nord Kivu son excellence Karlin Zanzu auti kotinda ministre na ye na mubambiro pona kotala baye bazali kuna o bazali kozela bongo kokende to mosala mwa soda to kozonga nini kozonga basitoyen to basivile akendaki bongo kuna atikaki biloko ya kolia atikaki o nyonso ezali ya mutuya pona nini po ete bazala na kimia bazela bongo processus ya DDRR et comme kino na suka donc ni kolobete mboka esili kotia makoki manso po ete bango banso bazala na kimia oyo akopona mosala mwa soda ake na mosala mwa soda oyo akoloba te nga nalembi nga alingi nazonga nazala moi mboka aboyi kozala moi mapinga wana mpe lokola akolanda ya ye mateya mpo na nini po ete azonga azala moi mboka atungisa mpe bato lisusu te Mheshimiwa kamanda, mumetoka porini. Unaweza kutuambia kwa nini umekuja na hao wapiganaji wako na kundi lako pamoja na jina lako na mmetokea wapi? Asante sana journaliste. Ninaitwa kwa jina la Bilikoliko Mingenya. Nikuwa msimamizi wa chama ya IPDC Axe Ufamandu Masisi. Nimetoka porini kupitia sauti ya chef de l'état son excellence Etienne Antoine Tshisekedi, kupitia sauti ambayo alitusumia sisi vikundi tunazipiti silaha katika mashariki mwa Kongo kusema tutoke porini na tusaidiane kwa kuchunga nchi yetu. Na umepana silaha kwa jenerali, pengine una mwito gani kwa wale wapiganaji wako ambao wengine wamerudi ama hata wale ambao hawako katika kundi lako? Kwa mito yangu mimi peke sasa vile mkubwa ya chama, nimependelea kutoka na jeshi yangu yote pia na wengine wangali njiani ili nipate kujiripoti ndani ya nchi yetu kwa kusaidiana kwa kuchunga usalama ya nchi.
Kwa hivi nimekuja na watoto 219, wengine 118 wangali njiani sababu gari zilikuwa kidogo. Ila ninajua kama haitafika magharibi kama wao wasije hapa nafasi ya kanyanya. Unasema ya kwamba katika eneo liko kwa saa hii hakuna askari wako ambao wanabaki huko na tayari jeshi la taifa linakuwa huko likidhibiti eneo hizo ama nzito. Eneo yangu yote hivi ninasema imedhibitiwa na serikali ambayo imesukumwa na jemadari William. Ndio maana nimetoka mweneo na wale wa vijana ambao wako njiani, niwaye anawasindikiza ili wapate kunikutana njia, kunikutana ndani ya kituo. Na kwa sasa kwa mnapenda mtaingia nyote ndani ya jeshi ama kutoka nje atakuwa ndio. Bwana, ndani ya jeshi mimi najua kwamba wamingi wamejitoka kwenda kuintegre kwa kutumikia nchi yetu, tufanye mchango kwa kusaidia nchi yetu. Na wito gani ambao mmekuwa nao kwa wengine bado ambao wamekuwa wakibaki porini? Mwito yangu ni kusema wa ndugu zangu zote ya kuwe General Kirikicho, General Delphin, Kapasi vile vile, sasa jinsi kwa tunachangia kazi, nao wakuje wanikute ili tufanye mchango kwa kupata sauti ya rais wa nchi ili tufanye mchango wa nchi yetu. General, unaweza kutuambia ni kwa miaka mingapi ulikuwa porini na unasikitika nini leo unapoona kwamba jeshi ya Kongo inakupokea? Miaka ambayo nimemaliza porini ni miaka 12 nikafanya kazi ya pori. Na kusudi nitoke ndani ya pori imetokana na chef de l'état peke yake, sauti yake na mwito yake na maongezi ambayo alitupatia na kutusumia jemadari William akutusensibilize, imetukita ndani ya moyo na sisi sote tukashukuru kutoka porini. Na sasa unaregrete nini wakati unaona porini, kwa sababu maisha ya pori si mazuri na raia wa Kongo wameteseka siku nyingi kwa ajili ya vikundi vilivyoko porini? Wewe kwa leo unarudi mjini unasikitika nini ku yale uliyofanya porini? Ambayo nilifanya porini ni kusema ninapenda niingie ndani ya jeshi ya government au miaka mingi nimepoteza porini bila kufanya mafao fulani. Umekuwa generali natoka porini alafu tena katika jeshi la taifa, huenda jeshi la taifa litaweza kupatia gradi nyingine utaridhika ama itakuwa vipi? Bo mimi ni jeshi nitaridhika. Na tunaona nani hapa, nilikuwa pamoja na mfuasi wangu ndio mwenye kushiriki na administration yote akiitwa kwa jina la Noah Machano General, pamoja na Adem Eloge yangu ni Foka Mike Baeni Mfuni na premier secteur na deuxième na troisième na wafuasi wote. Mike ni kusema nimetoka porini na kundi yangu mzima kwa jumla. Nilikuwa na mkuasi wangu akiwa observance wa chama cha IPDC anaitwa kwa Noah Machan General, pamoja na kundi mzima yote ya IPDC kulikuwa na mkuasi yangu tangu hadi medogo mpaka eta major commandement yote na staff yangu yote, pamoja wameisha kuwasili na wengine wangali njiani kwa kusubiri mpango ya leta watakuja nyuma yangu. Mbele yako ni kilikodiko nyingi. General, pamoja na kundi mzima yote ya IPDC kulikuwa na wafuasi yangu tangu hadi medogo mpaka eta major commandement yote na staff yangu yote, pamoja wameisha kuwasili na wengine wangali njiani kwa kusubiri mpango ya leta watakuja nyuma yangu. Mbele yako ni kilikodiko nyingi.